Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, on l'a fait encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme dans l'encore haïtien. Ma nap émet depuis Studio 4 dans La Voix de l'Amérique, dans Washington. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité concernant pays d'Haïti, journal américain de New York Times, sorti jodi a yon article côté le fait révélation qui gagne surtout pour ak yon rapport ancien président Michel Martelly ak conseil présidentiel transition ta gagne sous so gang yo. Aéroport Toussaint l'ouverture l'ouvri pendant gagne yon délégation pays Kenya qui rivé en Haïti quelques jours avant arrivé yon groupe 200 policiers pays Kenya. Les États-Unis condamné ak toute force li requête coupe pénale internationale la CPI qui mandé mette mandat d'arrêt contre quelques autorités israéliens parmi eux premier ministre Benjamin Netanyahu ak principal leader Hamas. Et puis pays Iran décrété 5 jours d'ay pour rendre un dernier hommage by président Ibrahim Raisi qui était mort dimanche qui s'est passé là dans un accident hélicoptère. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous va développer pour dans un petit moment et n'a commencé avec actualité à concernant pays d'Haïti et ben gain ancien président Michel Martelly qui t'a fait pression pour influencer composition gouvernement intérimaire et puis mandé Amnesty pour gangue, c'est ça journal New York Times révélé dans un article qui sorti jeudi mardi 21 mai. Luxon Saint-Ville, t'es lié à ça pour nous. C'est un article journaliste Maria Habib écrit pour journal New York Times pour montrer comment gangue en Haïti a renforcé tête pendant troupe Kenya a paré pour rentrer en Haïti. Journal là montrer comment bandits en Haïti mélangé question ZAM avec trafic drogue pour être capable de faire plus l'argent. Pour être capable de river, faire article ça, journal la parlé avec diverses sources en Haïti et à l'étranger. Il a abordé divers sujets et cité non plusieurs monde parmi eux Michel Martelly et Dimitri Erard. Si longtemps, gangyo te dépend des élites politiques et économiques pour faire l'argent, New York Times dit qu'il y a certains là-dedans qui ont indépendance financière. Yo. Journal là qui cite quelques responsables haïtiens fait qu'on est depuis mois février. Gang yo vin gen yon paquet de gros armes automatiques que peut-être yo volé pour l'armée qui dans région ak l'autre moyen encore. Dans tout bandi qui fait partie fédération ça qui relève vivre ensemble nan, média américain cité Johnson André alias Izo qui considéré comme pi gros trafiquant cocaïne pays a connait actuellement. Chef base 5 secondes là d'après ça qui dit dans article là, qu'on voyait yon bon parti nan produit liyo directement en Europe, c'est ça plusieurs diplomates di New York Times. Journal la parlé de dernière évasion qui était faite nan pénitencier national là. Côté plus passé 4000 prisonniers étaient sauvés parmi yo ancien responsable USGPN nan Dimitri Erard qui était nan prison nan cas d'enquête sous la mort Jovenel Moïse là. Dimitri a pédé actuellement gang Izoa organisé la bayo conseil. Et li même possible pour mettre yo en connexion à plus gros organisations criminelles dans la région parmi yo divers cartels drogue. C'est ça yon gros responsable renseignement régional avec des diplomates occidentaux dit médias américains. Dimitri Erard qui était cité en 2015 dans dossier cargo MV Manzanares qui était accosté dans Port-au-Prince avec plus passé 1000 kg cocaïne et héroïne qui était caché dans plusieurs sacs sucre. Te chef USGPN sous Michel Martelly, qui lui même tout acquise comme moun qui gen liaison à gang en Haïti. Pendant la palais de dossier ça, New York Times rapporte tout, ancien président haïtien a fait pression sous dirigeant politique qui impliqué dans négociation yo pour essayer influencer composition gouvernement intérimaire. New York Times qui parle avec divers responsables politiques fait qu'on est allié Martelly yo dans conseil présidentiel transition lancé une proposition pour demander amnistie pour gangyo et même peut-être pour ancien fonctionnaire l'état qui t'a gagné accusation corruption sous doyo. Yon série accusation chanté suite mais qui a voyagé était bien loin. Michel Martelly dit journal américain li pas fait aucune pression sous conseil là, li pas jamais gen relation à gang et li pas jamais parlé des questions amnistie pour pièce moun. Pour lui-même, accusation ça yo politiquement motivé. Gang haïtien yo a renforcé tête yo pendant force multinationale la parel pour débarquer en Haïti. C'est titre article ça qui déjà commencé provoquer un pile commentaire sur réseaux sociaux yo. Effectivement, il y a une pile réaction qui sorti sur réseaux sociaux mais on t'est essayé entrer en contact avec un membre conseil présidentiel transition et pour nous t'es capable de gagner position institution sous question ça sur article New York Times là, mais
malheureusement et pas joigné bien que nous quitter un message pour lui. Et puis l'autre point d'actualité concernant pays d'Haïti, gain aéroport Toussaint l'ouverture là qui rouvre pendant tout c'est dans même moment ça tout gain une délégation pays Kenya qui arrivait dans pays d'Haïti, nous gain sur place Yves Manuel. Sunrise Airways effectue premier vol li nan aéroport international Toussaint l'ouverture semaine ça en provenance de Miami pour ça qui marque une étape importante après fermeture aéroport fermeture qui était due à cause bandits armés t'ont attaqué installation aéroportuaire dans date 4 mars qui s'est passé là. Vol ça qui c'est un Boeing World Atlantic qui a aboli 160 passagers parmi eux ancien sénateur, homme d'affaires avec divers professionnels. Pendant yo arrivé dans aéroport, passagers ont été bien accueillis bon côté unité coordination avec protocole institution. Yon délégation ambassade américaine qui est en tête li Denis Hansking te accompagné directeur général AAN Yves Ducamel François te répond présent sous tamak la. Divers unités police nationale d'Haïti t'ap assuré sécurité personnalité sa yo. Nan même journée an, Sunrise Airways effectué vol domestique à destination Cap Haïtien à Kay. Yon vol militaire te également observé sous tamak aéroport. Parallèlement, administration a fonctionné normalement sous garde militaire et agent police nationale d'Haïti. Nous apprenons tout, une délégation kenyane rivée dans Port-au-Prince pendant la journée lundi. Délégation ça a dû rester dans le pays pendant toute semaine et elle a bien pour rencontrer divers officiels haïtiens. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis toujours sous réouverture à l'aéroport international, nous parlons aux jeunes Sandra Le Maire qui gagne l'autre information sous dossier. Principal aéroport international pays d'Haïti a rouvert lundi pour première fois depuis presque 3 mois après acte violence gangnoté forcé autorité femelle. Réouverture aéroport Toussaint l'ouverture là dans Port-au-Prince pour soulager un raté critique médicaments à l'autre produit première nécessité. Rosemont Désir t'est accompagné aux familles qui t'a voyagé. Il y a des milliers de monde là surtout qui besoin voyager pendant un certain temps et qui va t'a voyager. Et le matin comme ça là qui va aller me mettre là. OK, mais il y a plus de monde qui t'a souffrance parce que nous nous sommes satisfaits parce que nous y a plus de depuis la fin. Normile Madeleine t'est gain billet pour voyager tout. Oh, ça on est content, c'est tout que nous qui ouvre. Et nous disons Dieu merci parce que pour l'autorité qui mettait le travail ça, juste pour faire avion voler, je dis, en capacité là, sans qu'il n'y ait pas de problème sur le caplan. Nous disons merci, nous disons continuer à travailler, que bon Dieu bénisse. Ligne aérienne américaine n'a pas commencé à utiliser l'aéroport pas avant fin mois de mai ou bien commencement mois de juin. Premier vol commercial qui était fait depuis mois de mars là, t'es quitté Port-au-Prince pour aller Miami avec un retard presque 2 heures de temps. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. N'après toujours dans actualité concernant pays d'Haïti, n'a parlé politique, conseil présidentiel transition annoncé l'ipral dépenser pour pupiti 1 milliard de gourdes dans cadre programme assainissement dans différentes zones métropolitaines dans capitale là. Nous allons rejoindre Renan Toussaint. Dans moment conseil présidentiel transition annoncé l'ipral dépenser pour pupiti 1 milliard de gourdes dans assainissement au niveau zone métropolitaine Port-au-Prince, certains secteurs politiques mandé pour dissoudre structure ça, yo estimé qu'il pas chambre qu'a organisé élection générale dans pays. Ancien député Serge Jean-Louis, qui c'est leader Front National pour Démocratie FND, dit expérience collégiale là pas jamais porté résultat positif. Regardez ou identifier si vous voulez aucune grande décision politique qui posait dans nos conseils là taka bay moun l'espoir que le conseil ça pral faire le contraire de ça nous même dans FND on te pensait de ça nous même dans bureau politique gouvernement mettre là nous te pensait nous défendre pendant plusieurs fois dans différentes conférences de presse nous bay nous faire des démonstrations sur le rôle joué par la cour de cassation et la cour nous dit la cour de cassation est une référence positive pour qui ça c'est pas la cour de cassation. On fait ça, et jusqu'au dernier palais là, j'en dis là, pas qu'il y ait aucune action, et il y a opposé qui t'a changé opinion. Donc, pour nous-mêmes, les pouvoirs de la mairie n'ont pas changé opinion, donc continuer à croire, conseil présidentiel ça,
n'est pas capable de résultat parce que collège, système collégial en Haïti, pas jambalé ça. Semaine passée, hein, Conseil présidentiel transition t'a adressé une correspondance by président pays Kenya, William Ruto, pour renouveler demande envoi mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Conseil présidentiel transition a travaillé pour Kenya sous base choix yon nouveau premier ministre cap gen pour diriger transition démocratique là. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Effectivement, Conseil présidentiel transition a travaillé là Kenya sous yon paquet de dossiers pour que capable choisir yon premier ministre pour qui diriger transition. C'est comme ça tout yon organisation femme qui appuie candidature madame Marie-Denise Claude pour poste premier ministre là. Mandé conseil présidentiel là, c'est yon femme pour qui diriger et gouvernement. Détail avec Massado Vilmé. C'est réseau pluriel femmes politiques haïtiennes, une structure qui regroupe plusieurs organisations femmes dans la vie nationale pays, qui mandé conseil présidentiel transition pour appliquer article 17-1 moment loi pays, non choix à faire pour poste premier ministre là. Moseline Pierre, lui, c'est responsable de cette structure là. C'est respecter tout accord, à convention, l'État haïtien, d'essayer pour que les femmes, tout côté, décision à prendre dans la plus grande instance pays d'Haïti. Pour toutes les raisons, ça y est, à Claude encore, n'a couru Marie-Denise Claude. Mesdames, yo, qui fait choix ancien candidat Maléré pour poste sénatorial, l'a dit, Madame Denise répond à tous critères pour c'est lui-même qui chef de matière. Marie-Denise Claude toujours respecte l'engagement lié à l'explication la loi. C'est une femme qui gagne oui et non. Marie-Denise Claude qui sortit dans la troisième circonscription Port-au-Prince, déjà tant mieux, c'est lui réflexion sur le dossier insécurité. Il déjà paré pour le bataille bon Jean. Pour commencer bon Jean Chita parler parce que il comprend bien que problème et sécurité a c'est un dossier transversal côté tout le monde. Tout secteur doit jouer rôle par. Avec Marie-Denise Claude, conseiller présidentiel, a gagné une bonne collaboration qui pagaie en qu'un mauvais dossier. Dans cette transition, Louis Gérald Gilles fait qu'on n'est pas trop longtemps, population apprend qui moun ka premier ministre nan, pendant le présenté principal chantier nouveau premier ministre nan apprend pour travail sous Rio. 25, 26, 27 mai, soit conseil présidentiel là, nommé, choisi, nous sept qui ka voté pour nous choisir au premier ministre. Chantier à clair. Chantier, c'est une bataille pour nous mettre en sécurité. Chantier, c'est pour nous une bataille pour nous apaiser la souffrance de la population. Chantier, c'est à retirer les gens qui ont pris provision. Vous connaissez, vous comprenez. Chantier, tout. C'est pour nous voir comment nous faire bon champ élection. Toutefois, c'est plus passé 200 personnalités qui posaient candidature pour une premier ministre pour voir transition. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Creole. Actualité à mener nous connaissons dans la ville Okaï, dans le département sud-pays, à côté avocat Barreau Vilsa a organisé diverses activités lundi 20 mai 2024 là, une façon pour commémorer fête Saint-Yves qui c'est avocat, qui c'est patron avocat. Nous sommes sur place Jean-Ernst Eliscar. Engagement université dans temps crise, c'est sous thème ça. Mouvement étudiant parti engagé pour développement aidé, te réalisé yon conférence débat dans ville Okaï, yon façon pour te commémorer fête drapeau université 18 mai 2024 là. Précision coordonnateur national mouvement étudiant aidé solitaire Dev Witzlor. Bon, nous te gardé engagement université en temps de crise. Donc la donne, il y a une question posée, c'est sur la question de la bonne gouvernance, nous regardons la question de l'éducation, puis l'autre thématique. Nous avons parlé sur l'importance du drapeau. D'abord, nous regardons le drapeau comme un symbole patria, nous regardons le drapeau comme souveraineté et nation. Donc, il est plus que important pour activité ça, pour faire à répétition dans toute notre ville, pour arriver à conscientiser les étudiants sous la prise de conscience de gagner envers le drapeau. Oui, son réussite, surtout en termes d'effectifs, nous avons plus que 500 personnes qui mobilisaient jeunes étudiants, qui mobilisaient et étudiants et élèves filo tout. Donc, c'est une satisfaction.
pour fêter fête drapeau plus passer une trentaine l'école t'est défilé dans la rue au Kay. Cependant, coordonnateur activité ça, France Arthur Mauvais critique autorité dans l'état, li dit qui pas de bail participation. Et mais ça là wap gade là, nous pas de participation, aucun moun là dedans. C'est seulement secteur privé à Okay. L'État pas dit un mot, personne dans l'État. Oh, l'État ou l'État pour t'organiser fête de drapeau. Imagine tout petit monde qui a voulu manger pour eux après défilé. Et maintenant, ça sera. L'État pas dit rien avec nous. C'est nous-mêmes, c'est secteur privé. C'est Fondation Gascon Clergé qui va nous foutre main. C'est Samuel Ekila, c'est Mena et c'est Aol Inibank. C'est moun sa aujourd'hui là qui va nous coûter main pour nous faire ça ou n'a fait là. C'est Etsek et c'est collègue Bethesda. C'est tout moun sa qui dit ça n'a fait à bon pour le pays. Yo aide nous pour nous faire ça. En rassemblé en bas drapeau, c'est sous thème ça. Fête drapeau à université te déroulé dans le pays d'Haïti 18 mai 2024 là. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okay. Nous parlons qu'on y a en République Dominicaine, côté yon jou après, li fin réélu comme président République Dominicaine, Luis Abinader, parlait de crise Haïtia avec réforme fiscale que le prévoit et prend pendant le nouveau mandat là. Détail avec Gentil Augustin Junior. Président élu République Dominicaine, Luis Abinader, dit hier lundi 20 mai 2024 là, li pral rencontrer ak leader opposition pour discuter sous réforme fiscale possible et li té profiter parler tout sous crise Haïti. La situation d'Haïti a hecho que se hayan disminuido las exportaciones. Situation en Haïti a té traîné importation nan yon diminution parce que c'est yon pays qui nan crise et importation yo té descend peut-être à 15%. Moins pas trop appelé Mkounia. Moi pense que ça pral normal et puis troupe Kenya yo qui pral vini, c'est pral commencement. L'île pour yon deuxième mandat, Abinader te dit crise violence qui a frappé voisin Haïti diminue importation yo. Cependant, li espère que troupe Kenya kap vini pour pacifier pays a pral porter résultat et li te continue pour le dire. Nous estamos en coordination con nous a coordonné ak pays qui impliqué dans sécurité en Haïti yo. Les forces Kenya arrivé, nous doué konnen ki conséquences li pral genyen. Mwen capable di nou que tout mécanisme sécurité ak force la men nan pays a konnen quel que soit risque ou soit nouveau action. Mwen pa ka di trop, mais nous gen connaissance, information ak intelligence pour préparer nous pour n'importe sa ka privé. Para cualquier eventualidad. Nan ti tan pale sa, président te di li pral rencontre leader opposition an pou travay sou réforme taxe nan peyi l et li annonce nouveau plan li genyen pou 4 lanne li pral passe sou pouvoir. Y quiero decir que esta conversación mwen vle di nan conversation sa, nou pral approche leader opposition an, men tout société dominicaine. Sa vle di nou pral intégrer toute société dominicaine. Se youn nan sujet que nou pral diskite. Réforme fiscale, m'a répété qui concerne réforme fiscale mais tout réforme dépenses publiques yo. Li té ajouté. Claro que tenemos un plan, nosotros tenemos un plan. Oui, nous gagnons un plan. Nous gagnons depuis lè nou rive nan gouvernement. Et puis c'est un plan pour 4 l'année pour améliorer éducation nou, aide principale pour santé, côté yo besoin plus ressources pour continuer à réforme la police là qui té fait progrès. Abinader te dit que réforme nan ta gen là-dedans ajustement taxes ak dépenses publiques et puis li pap mette en danger croissance économique République Dominicaine pendant y a cherché protéger moun ki pi vulnérable nan pays a. Cependant, li te averti que proposition li a ta gen en pile chance pour entrer en vigueur à quelques changements. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou sou VOA Creole, on suivi un programme nan langue créole haïtien, rete branché. Pour sécurité au campé pour jusqu'à semaine prochaine dans le cas contre Donald Trump là hier lundi dans jugement criminel là contre ancien président. Témoignage Michael Cohen arrivé fini hier lundi 20 mai. Et puis qu'on y a nous prenons dans New York côté pays à qui suit pour nous, Stormy Daniel là pour le historique. Parler.
Michael Cohen qui reconnaît que le Donald Trump a déroulé le témoignage en détail l'a continué et même une pire sensation que procès a provoqué. Nous sommes sur place Valérie Saint-Louis. Procès qui était au campé pour jusqu'à semaine prochaine dans cas contre Donald Trump là hier lundi dans jugement criminel là contre ancien président. Témoignage Michael Cohen est arrivé fini hier lundi 20 mai après 4 jours et 17 temps comme dernier témoin dans dossier la justice là qui accusait Donald Trump que il t'ai falsifié dossier business li, l'il t'ai remboursé Michael Cohen l'argent pour te payer actrice film porno Stormy Daniel là pour pas parler. Michael Cohen te reconnaît qu'il t'ai commet un crime et te raconte témoigner en détail que Donald Trump t'ai promet li pour le rembourser l'argent, li t'ai bail pour Stormy Daniel fermer bouche pas parler de relations sexuelles li avec ancien président. Avocat Donald Trump a accusé Michael Cohen comme un gros menteur qui baille en pile menti. Avocat défense là, Todd Blanche, t'a posé la question pendant plusieurs heures de temps. Il était concentré sur mauvais actes, monsieur, une façon pour le faiblir témoignage li. Défense là t'a fait valoir que Donald Trump t'a protégé famille contre faux réclamations qui t'a fait yo. Il t'a essayé discréditer Michael Cohen, ça qui t'a déterminant pour sort Donald Trump là devant la justice. Mais il n'y a pas de printemps après que défense a commencé hier lundi pour bagaille a commencé à chauffer dans le tribunal. Juge Juan Merchant a été témoin pour défense là, Robert Castillo, avertissement, et puis il a menacé pour le faire descendre sur l'extrait tribunal là après que le tendait le cap complaint. Les juges l'ont soutenu, objection contre question qu'ils ont posé lui. Juge Merchant a même demandé pour la pression sortie qui était sale tribunal là, une dite après que le réprimandé témoin, Robert Castillo. C'était un petit moment de discussion sans attendre qui t'a fait en dedans tribunal là pour un jugement qui pas loin fini. Pendant que l'avocat défense l'Assemblée gagne en pile chance pour le boucler dossier li jodi madi a, juge Merchant lui-même te dit que le planifié pour tendre argument final de parti yo mardi prochain en date 28 mai parce que le pensé bay même jury yo un week-end repos 4 jours pour l'élite accaparé pour le faire délibération verdict li jour réouverti tribunal là après jour congé qui c'est jour mémorial là ici aux États-Unis. Quel que soit temps repos qui t'apprend pour ces criminels contre Donald Trump là tout près fin li. Avec à peu près une semaine pour que décision finale là tombe dans main membre jury yo. Mais pour 19e journée dans tribunal là, en résumé, pour qui réo qui sorti dans bureau avocat district Manhattan, nan, te ajourné car hier lundi après-midi, après que te relé 20 témoins pendant 15 jours. Parmi eux, Michael Cohen, vedette film porno Stormy Daniels, ancien aide-assistant Donald Trump, Hope Hicks, avec ancien publicateur journal National Enquirer, David Pecker. Et comme d'habitude, Donald Trump, ancien président américain, pendant jugement, toujours font-il parler avec la presse. Lydie. Every single person is saying there's no crime. C'est tout le monde qui a dit pas qu'il y a aucun crime, pas qu'il y a aucun crime, c'est un tribunal tête chat. Moi, pas jamais moi bagaille comme ça. New York vraiment a fait jugement pour peut-être parler. Le monde entier a regardé pour ça qui a passé. Et puis, on pas qu'à utiliser un juge qui a un conflit. Ça, c'est un juge qui a un pile conflit. Ça t'a donné une décision qui est facile. Et moi, pensais que le tabon pour juge Merchant lui-même, diriger jugement de Herbie Wally, et puis suspendre avec persécution ça yo. Avocat défense de la Trump, il a suspendu Kahn pour ces criminels-là, jeudi Madia, sans que l'ancien président lui-même pas témoigner. Et juge la prévoit, délibération jurien t'a qu'à commencer semaine prochaine. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Yon l'autre point cap dominé actualité a c'est mandat d'arrêt tribunal pénal international là voyez compté responsable dans pays Israël et puis Condamas et faut dire que accusé ou pas bien recevoir et dossier ça ou bien plainte ça et Jean-Robert Philippe et yon nan pays qui fâché en pile c'est les États-Unis Washington mauvais concon pour et question mandat d'arrêt ça yo. Oui, effectivement, Jacqueline. C'est d'accord que c'était pour États-Unis, même mandat ça a été sorti. En tout cas, le problème qui vient qu'on y a sur le dossier, ça, c'est application. C'est qui gens que, qui pays ou bien qui est-ce qui va le mettre en application ou pas l'exécuter mandat ça a été lancé contre d'abord deux autorités israéliennes avec trois militants Hamas. Donc, c'est une question ça a posé qu'on y a là, mais en principe, et même Palestine, même tout, il n'y a pas la même façon que le tribunal a lancé mandat, surtout contre les militants et contre le gouvernement israélien. Today, that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes.
Procureur tribunal pénal international là, Karim Khan, déclaré qu'il y a assez de preuves après 7 mois d'enquête pour lancer un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec le ministre de la Défense israël là, Yoav Galant, pour crime de guerre qu'il commet dans le territoire Gaza. Le tribunal là a lancé un mandat d'arrêt tout contre 3 leaders groupes militants Hamas avec l'autre groupe pour crime qu'il commet contre les civils israéliens pendant l'attaque 7 octobre passé. Le président américain Joe Biden n'a pas perdu de temps pour le défendre avec toute force le mandat pour arrêter les leaders israéliens. Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. En clair, nous rejetons le mandat pour arrêter les leaders israéliens. Quelle que soit la signification du mandat, ça n'a pas aucun équivalence entre Israël et Hamas. Dit clair, Israël veut faire tout ça capable pour assurer la protection civile. En clair, sur ça. Contrairement avec l'accusation du tribunal de justice international, l'affaire contre Israël, ça n'a pas passé à ce génocide. The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan. Pour lui, c'est Benjamin Netanyahu, beaucoup de parle considérer l'accusation ça. Comme une absurdité. Mon rejeté avec des goûts, comparaison pour que le tribunal l'a fait entre Israël démocratique avec le groupe assassin Hamas là. C'est une distorsion complète réalité. We are against this decision because they have equated. Plusieurs Palestiniens qui ont vu dans le territoire Gaza déclaré qu'ils ont contre décision à cause de mettre les victimes dans le même niveau avec les exécutants. Nous avons droit pour nous gagner un territoire. Qui j'en monde cap résister et cap mande libération territoire tourner un criminel et puis criminel yo même beaucoup de payo yo tourner protecteur wa ana astati an aqul leader militant al-athman al-bahira sam kabab di malgré copette à coup peuple palestinien dans Gaza a payé entité zioniste là échoué, l'aile pas atteint objectif militaire stratégique. Les républicains avec démocratie dans le Congrès a condamné le mandat d'arrêt tribunal criminel international. L'idée majorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, qualifié décision tribunal là comme une honte. L'idée minorité républicaine dans le Sénat, Mitch McConnell, déclaré décision a montré qui j'en membre tribunal là, c'est une bande kangourou voyou. Sénateur indépendant Bernie Sanders publié une déclaration pour supporter décision tribunal là. L'elle fait connaître l'impératif pour communauté internationale là faire respecter loi internationale. Israël, allié principal li États-Unis, ensemble avec la Chine et la Russie, pas membre tribunal pénal international là. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous parlons d'un pays Iran qu'on y a côté autorité ont décrété 5 jours d'œil national pendant qu'ils ont commencé un dernier hommage by président Ibrahim Raisi. Vraiment vrai, c'est plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens qui étaient descendus dans la rue dans le moment où ils ont transporté secrétaire président et ministre affaires étrangères Hossein Amir Abdullah accepte l'autre personnalité qui périt dans l'accident hélicoptère ça qui arrivait dimanche qui s'est passé là à cause d'un brouillard dans une zone reculée dans le pays Iran. 8 secrétaires ont été enveloppés avec drapeau iranien et nous capables qui gagne en pile fleur sous yo. Et puis la mort président ouvert une période incertitude politique dans le pays Iran avant déroulement yon présidentiel qui pour remplacer le présidentiel qui a déroulé dans date 28 juin qui vient là. Funérailles qui gagne pour bout jeudi qui vient là commencé depuis jeudi madia dans Tabriz, une gros ville qui dans nord-ouest tout près côté accident arrivé. C'est qu'ayo transféré dans ville Téhéran avant l'arrivée dans Qom, une ville sainte. Enterrement gagne pour continuer dans Téhéran côté guide suprême nan Ali Khamenei ak président cérémonie prière d'adieu demain mercredi a qui déclaré férié. Et faut dire que enterrement gagne pour continuer dans Téhéran tant que nous sommes dit et plusieurs pays étrangers parmi eux la Russie, la Turquie, Irak et ben yo annoncé qu'il y a présent dans funérailles là mais pas au niveau chef d'état. Président Raisi gagne pour enterrer dans ville natale Machad, ville côté que li te prend naissance et réaction continue à sortir à travers le monde sous accident ça qui arrivait dimanche qui saute passé là. Nous pratiquement arrivé dans faire programme c'est donc plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Merci pour attention, merci pour fidélité et nous remercions Franklin, Zami Pano qui était là et puis semblait l'autre monde qui participait, Jean-Marc Hervé Abella qui était chef pupitre et gentil Augustin Junior, le vigilant qui derrière et puis nous dit bon retour à
chef service là Sandra Le Maire qui retournait dans Kaila et ça fait qu'elle nous connaît parce que depuis le retour elle toujours pote baie pour nous. Merci tout le monde, moi c'est Jacques Lévelisa, donc rendez-vous à demain. Et moi crois que conseil là c'est plus gros défi captain là, c'est river résoudre question insécurité. Désir comment là qui font toutes les nouvelles yo, dis-moi non, comment là qui Blaise Peterson, on l'autre fois, mon content, mes genoux, content, mon côté, nous là, n'a fait résistance, et nous veillons, nous porter l'espoir, bah, peuple haïtien qui réfugié dans notre propre pays, et c'est difficile en pile, chaque fois, on peut trouver dans une situation comme ça, c'est étranger qui l'a prétend, qui pour une balle en bourrade, une balle en coup de main, pour être dans une situation difficile, que propre dirigeant pays a plongé, dans une insécurité généralisée, et bien, que la cause, c'est autorité, d'autres pays, autorité dans les Nations Unies, autorité département d'État, cap négocier, qui joue, qui l'est, qui date, qui année, pour combien de temps, que vous avez replanifié sécurité pays. Non, mise en contexte, semblez, ou gardez responsabilité, messieurs, dames, qui est dans le conseil présidentiel là. Pour d'ailleurs, qui montre que vous n'avez pas de mission à résoudre le problème insécurité dans le pays. Si c'est pour messieurs, dames, dans le conseil présidentiel là, nous faites carré dans l'insécurité. Parce que nous, essayons qu'aucune chaîne bataille. Nan mitan yo pour faire santé économique, pour préparer terrain électoral. Peuple haïtien, on l'autre fois, nous besoin reprendre force, reprendre courage, nous, parce que l'est arrivé pour nous réactiver bataille que nous menons, qui est le bois calé contre bandits, tout partout, cap levé courir pour quitter espace. Yo fait tourner guérilla urbaine, côté yo fait viol, côté yo kidnappé, côté yo détourné camion marchandises. Nous devons prendre responsabilité, nous. Et ensemble, nèg tout, Blaise Peterson, qui distribue les armes tout partout, en dedans pays, ya. Quel te politicien, quel te oligarque corrompu, yo, m'kwe, pendant officier, yo, commencé à déploitonner dans le pays, ya, qui pote l'espoir, yo même, puis ka ou konne, qui yo pral régénérer tête, yo, yo pral vivre à l'aise dans le pays, ya. Pral gagner pour tout le monde. Tout le monde pral payer pour ça ou te fait, dans ça qui gagne pour avec justice populaire qui a fait parler de l'IA. Blaise Peterson. Parce que la situation est compliquée en pile depuis un bon bout de temps en dedans pays d'Haïti. Ensemble, monsieur Damio, qui est dans le conseil présidentiel là, il a montré en pile fois, il a chaque, il a un bagage qui a besoin. Il a chaque, il a un intérêt. Mais ce n'est pas intérêt commun, c'est intérêt peuple là. 18 mètres sur le passé, Louis Gérald Gilles, grand discours. Edgar Leblanc-Fils, grand discours. Et sans compter, Fritz Alphonse Jean, qui était au cap haïtien. Qui t'a accompagné avec de l'autre conseiller, yo sa que t'a gen discours pa yo. Moïse Jean-Charles, grand maître politique, déclaré que pouvoir ça pas pouvoir peuple là. Si pouvoir ça pas pouvoir peuple là, est-ce que peuple là prend j'ai gardé? Est-ce que peuple là continue quitter ces moun sa yo, k'ap racher à couper, faire ça yo vle nan non peuple là? Parce que chaque fois on parle, yo di c'est pour peuple là qui a agi. Et peuple là pas suspend nomade. Peuple là pas suspend réfugié dans propre pays, levé courir, parti. En bas coup de balle, Zéphéis, Zagouloway, terroriste, qui recevoir ZAM, non mais nek qui pral dans l'élection, qui recevoir ZAM, non mais nek qui dans le secteur privé des affaires, qui estime que c'est eux-mêmes qui doivent tout le temps gagner monopole là. Son bataille, maître, esclave, commandant, cap fait là, li doit fini, yo fois pour tout, Blaise Peterson, les amis internautes, cap gade tout battre. Bon, et désir, moi c'est que n'importe quel examen comme ça, il y a une vérité, oui. Parce que ça mieux ça c'est pour ça en pile et parce que on regarde si on va prendre quelques amis mais on va prendre trop et puis on est capable d'entrer dans le sujet principal ensemble de points qu'on a annoncé là yo ensemble de ça qu'on va parler là qui c'est question sécurité pour pays d'Haïti. Très bien, on monte à coup Marie Nozifon, nous pas capable saluer moun sa yo, Marie Jasmin, nous pas capable saluer Elino TV, Fondation Chris Capable, Immaculée Lafleur, Janine Petitomme, nous sommes qui toujours et branché ensemble émission yo. Nous pas qu'à passer sous mon sao pour ne pas dire merci. Ou ça vous permet de mes sacs nouvelles, Blaise Info par une nouvelle, votre Calbas Info devenu sous réseau. Et, gain Polomac, mon sao qui toujours avec nous tout, faut que nous disions merci, parce que yo run mes sacs nouvelles, vin, yo plateforme, que personne pas de négocier, capable d'informer. Nous disons chaque seconde, chaque minute, vous êtes plus près, plus proche, mes sacs nouvelles, parce que information qui prend lien dans toute dernière minute, dans toute dernière heure, c'est sous mes sacs nouvelles que vous attendez et sans trier, sans vendre et vous bien analysé à bien suite. Blaise Peterson, moun sa ou nous pas qu'à passer sans pas saluer pour dire qui ça que vous représentez pour mes sacs nouvelles. Tant que je dis là, Marie Nozifon, c'est moun pas nous,
et je ne passe sur une passe à lui, go jalousie fait, choua kakrasé non mais. Jenny Baptiste. Jenny Baptiste, nous ne nous pas qu'à passe à lui. Nous gagnons à Alfares Dosou, qui toujours avec nous, nous disons merci en pile pour écouter lui, merci pour fidélité, à Kachonouyo, qui toujours quitte commentaire pour nous, nous saluons honnête Jean-Louis, qui toujours avec nous disons merci en pile, Mimo Jean-Charles, merci pour écouter, Frenzy Charles, Jean-Mde Dila et Lino TV, merci parce que toujours là, Jean-Robert Latour, ça fait nous grand plaisir, nous saluons Papito Bernardin, merci pour écouter, nous saluons Elvanon et Ménian, merci Elvanon, ça fait nous plaisir en pile, nous contents parce que vous faites la route avec nous, Daniel Jean, merci pour écouter, merci pour fidélité, Michel et Steve Elish, merci en pile, pour écouter, merci pour fidélité, nous contents parce que vous faites la route avec nous. Et 10 janvier, merci pour commentaire que vous quittez dans l'émission qui nous a gagné dans l'invitation venir à Blaise Fiteson. Ensemble, nous avons une salutation, sans doute, de notre salutation qui a venu pour notre amis qui nous a gagné. Salut. Exactement, Desi Venès, et nous prenons le déraper là pour ça que nous annonçons comme point là. Pendant que nous avons des amis, like émission ça. OK? Activez cloche, pardon, notification. Et pour ne pas jamais rater aucune émission. Parce que l'émission, c'est des émissions qui permettent qu'on comprenne plus bien ce qui a passé en Haïti. Et comment que nous avons toujours dit que l'autre Haïti est possible, nouvelle Haïti est possible. Nous disons à l'heure de dire que qu'il y a un premier tranche, nous capable de dire, de autorité dans le pays Kenya et de officiers qui déjà fait partie contingent, mais premier parti en cabinet, qui déjà atterri sous sol nous, qui c'est Haïti. Nous avons regardé des petites vidéos et nous avons regardé de plusieurs médias même j'ai avec nous qui ont partagé ça comme information. Moi, je dis avec Zami Internet, nous, dans le cadre pour vérité, ça que moi-même, Blaise, avec Désir Venesse, alors, je vais parler pour moi, Désir qui n'est pas d'accord avec moi, que l'exit PAM et compréhension PAM de Rive Mission, alors qui commence à arriver là, et question de sécurité, hein, avec Samuel et Mounou et les bandits à Sapatio, jeune garçon qui est en ghetto, yo, et bandits à Fessio, que c'est moun que nous pas oué, qui a alimenté insécurité, hein. Et en même temps, tout question de justice et populaire, là, que je dis à Pimou, on a demandé aux haïtiens, hein, pour que yo ta retourné, réactivé Samuel et les PK, que en plus nous connaissons sous vrai nom li, Boakale par rapport à l'insécurité qui est là. Bon, regardez avec nos questions, mission à Caribe en Haïti. Nous tous sommes d'accord avec que l'insécurité qui est là, li pas insécurité, li c'est deux actes de terroristes et de actions terroristes. Bien que m'a gardé un jeune et expert haïtien qui était sous métropole qui t'a parlé de question ça n'est là li pas considéré comme insécurité mais li considéré comme effondrement de l'état parce que tout côté gen moun l'homme violent et tout côté gen moun a toujours gagné des comportements de réaction qui a dégagé. Et réaction qui a dégagé comme comportement, il a mené nous avec des situations, soit de pertes en vie humaine, a mené nous avec ça des dommages. Ma d'accord avec un pile monde qui dit que je dis, hein, c'est parce que nous n'avons pas d'autorité. Et monde qui passe dans tête pays, hein, soit comme président, comme premier ministre, comme ministre, et comme directeur général, et qui t'a occupé au poste dans l'État, comme sénateur, comme député, en pile dans le monde, ça, yo pas de jamais de bon vision pour l'autre Haïti. Yo te plus, ouais, que, dans l'intérêt personnel, yo, dans gérer la vie, yo, dans permettre que condition la vie, yo, changer famille, yo, proche, yo, mais yo pas de jamais, ouais, que pays, ça, dans 10, 15, 20, 30 l'année, mais qui côté que tu as souhaité l'arriver, mais qui côté que tu as aimé l'arriver. Et je dis, hein, c'est tout ensemble de moun sa yo, qui jouait de misère peuple, qui jouait de souffrance peuple, et qui mettait dans sa là. Mais Kounia, pendant que nous avons parlé de effondrement d'État,
Mais il y a des éléments qui sont importants dans l'effondrement de l'État. Parce que, de fait, de la réalité, l'État l'est effondré. Mais de la réalité, ça que nous vivons là, c'est de individu, même avec moi à désir. Mais moi à désir, nous plus ou moins raisonner. Mais l'autre n'est que ça pas raisonner, dit tout yo-même. Et a agi. Et a agi dans le compte intérêt peuple haïtien. Il a agi avec les gens qui semblaient avec eux. Les gens qui sont dans le même groupe avec eux. Les gens qui sont dans la même classe avec eux. Il a agi contre les gens qui sont. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait, le fait que les gens qui sont les bandits à sa patio, c'est le premier élément en dedans ensemble pour que nous éliminer, pas nous éliminer. Ah oui, ouais, ça n'a pas de débat sous lui. Premier élément en dedans ensemble dans la question de sécurité à la, pour que nous éliminions et pour que nous bayons une réponse proportionnelle, lycée anti-armé. Il est clair sur ça. Deuxième élément pour que nous résoudre et pour nous agir contre yo en dedans ensemble, lycée bandi avec yo. Et l'aime dit bandi avec yo, lycée ensemble de secteurs qui alimentent l'insécurité. Soit dans l'international, non? Soit dans la diaspora haïtienne, tout, fan di baga la clair. Dans l'oligarque corrompu, secteur privé haïtien, un beau parti la donne. Classe politique haïtienne ou beau parti la donne tout qui alimente sécurité hein? De organismes droits humains qui plus converti tête en association et malfecteur qui au même tout qui dé insécurité hein? Parce que les gens insécurité hein, yo jeune côté pour produire rapport ça bien tout les gens insécurité hein, tout en plus l'organisme international ça yo jeune côté pour produire rapport et regardez bien pour pendant que monsieur va débarquer là dans pays hein? Ou pas être de gros qui m'en organisation droits humains. Pas de j'aime d'en dé. Regardez, yon pral produit rapport à coup de rapport si, rapport ça, rapport douce, rapport si, rapport ça. Parce que yon pral jeune bagay pour yon parler. Mais yon pas de j'aime vraiment pile dans yon. Mettez des pressions sur l'État. Mettez pression sur l'autorité qui la yon. Pour que yon établisse sécurité. Je dis yon, tout nek qui des armes illégales dans yon, bandi armé yon. Monsieur le SM dit non. Moment qui est trop tard pour que nous t'a changé métier. Moment qui est trop tard pour que nous t'a dit que n'a changé fizine épaule. Parce que nous avons fait trop tort avec le pays. Trop monde mouri, monsieur. Trop femmes violées. Trop mal et malheureuse que nous mettez dehors la caillou. Trop diaspora perdit bien en Haïti. Je dis à non. Pas de mea culpa là. Pas de mea culpa, pas de pardon. Et trop famille, je dis, a crié parce que perdit policier, perdit policière. Nous craser commissariat. Nous craser prison, monsieur, mais non sérieux. Nous pas qu'à faire payer à ça. Eh bien, si nous croyons que le pays c'est pour nous lier, et nous qui mettons pays, mais faut nous joindre. Réponse non. Nous sommes à Ariel Henry de ce bagaille. Même si vous êtes mal tagué bouchon. Dans mes gens qui dans mes gens qui bouchon. Et pas tati nous même qui pas tagué bouchon, monsieur. Je t'aime applaudir parce que nous prenons mis sur la vie en Haïti. Parce qu'ils sont souffrés pour nous. Le fait que comme un pays qui est indépendant, je dis à pour deux étrangers, continue à piler sur nous, pour que problème insécurité nous en Haïti, pour que ces étrangers qui viennent résoudre lui. Mais nous tellement en connivence tout, nous tellement en concordance avec deux secteurs non payants, et ça fait insécurité pas jamais qu'à résoudre. Ah oui. Nous tellement en collés derrière, en cocobrette, avec un ensemble de monde en dedans payant, soit en classe, en différentes classes, mais insécurité pas besoin de résoudre parce que y a notre travail pour yo. Parce que yo c'est boss nous. Nous pas dénoncer yo. Les importés zamba non dans ghetto, nous pas dire mais qu'est-ce qui va nous amener. Nous pas agir sur yo.
Mais c'est si malé qui a passé, qui pas gagné pour avec nous, si on a tué, si on a déchappé, et on a fait coup de sang pour faire avec nous. Je dis à quoi que, messieurs, dames, je dis à quoi que, moment arrivé, moi-même, a toujours dit ça. Jean que conseil te dit l'an désir. Il permet de caper KNSD, Conseil national sécurité et défense là. En dedans Conseil national sécurité et défense ça, moi quoi c'est moment tout pour que tout gagne une commission qui mette campé. Et commission pour mettre campé après permettre que yo connaît qui est monde qui bail cap bail ça maintenant pays. Nèg qui gagne port en dedans pays. Ne qui gè droit franchise douanière yo ka fè zam antren nan peyan mais commission de vérité ça ka travay sou kanek sa yo ka moun sa yo et n'a tout mandé Jean-Robert d'Orsena et tout membre commission CNDDL qui te existé sous Jovenel Moïse mais qui a fait appel avec moun sa yo pour yo di avec pays avec commission ça qui est 11 à 13 famille qui nan commence zam an nan peyan parce que insécurité pour le résoudre. Niveau violence, il faut le résoudre. Niveau criminalité, il faut le résoudre. Et une clé sous ça. Que vous êtes d'accord, pas d'accord avec. Et maman, vous d'accord avec. Mais insécurité, qui est là, mes amis, nous pas qu'à bérer. Ceci n'est pas qu'à bérer, mais nous pas qu'à bérer la sécurité. Nous pas qu'à bérer. Et fin de dire, la gêne liée. Parce que je dis à trois, nous avons souffert dans le pays. N'est-ce que vous faites mon pays? C'est 27 750 km qui va fonctionner. C'est environ 12 millions de monde qui va fonctionner dans le pays en un moment. Insécurité physique, insécurité alimentaire. Et toute forme d'insécurité qui est dans le pays. Qui est jodie. Puis il n'y a aucun monde qui a fait comprendre comme hypocrite. A vu dire oblèze, ou, vous avez dit oblèze avec des ivenes, tabou de bunda. Bon, pas oublier pas élaborer dans le texte. Pour me demander, qui est ce que nous tabou de bunda? Parce que je ne sais pas qu'on est. Mais en sérieux, si c'est pour question insécurité, si c'est pour permettre que ça ait là comme solution pour le résoudre, moi-même, je dis tabou de bunda. Parce que moi, je suis victime, désir victime. Et en pile, je regarde la victime. Si vous-même ou pas victime de insécurité, ça c'est vous-même. À moins que vous ayez intérêt à financer l'insécurité dans le pays. Je ne pas dire que mission n'est pas une solution. Parce que le pays après 13 missions. Mais ça fait plus que 13 ans dans le pays. Mais quelque part, mais ça n'est là. Il mérite une réponse qui est appropriée avec lui. Ça n'est là. Il mérite que nek armé yo jwenn de réponse. Parce que yo pa pè policier nou yo. Yo pa pè policier nou yo. Mais le fait que yo pa pè policier, il faut qu'on moun ki yo pè. Les non-famille, attendez, ça m'a dit. Hein? Ou même qui maman papa. Si ti moun n'a pas pè maman, faut pè papa. Oui? Et si tu n'as pas peur, papa, faut peur, maman. Faut qu'il y ait un monde qui est critique pour lui. Et faut qu'il y ait un monde qui les mounsa parlent que l'acteur des mounsa. Mais je dis, hein, le fait que, bon, tiens, mais pas, qu'elle n'est pas prêt, n'est qu'il a pour rien, soit policier, politicien, homme d'affaires, il n'est pas prêt pour rien, mais faut qu'il y ait un monde qui est capable de paix. Et je dis, bon, c'est que, c'est là pour nous aller. Je ne suis jamais d'accord que l'occupation. Mais je veux dire, mon cap dit, yo pa, nous pas dans question mission, pas peut-être nous menti. Pas peut-être nous menti. Et pas fait hypocrisie. Pas peut-être nous menti, pas fait hypocrisie. Parce que quelque part, même ou même cap dit, en pile fois, qui pas blessé, qui pas blessé mission en vini, assurément, ou contribuer dans l'insécurité. Puis, ben, qui t'a dit que, oh, et yo pas dans question là, mais ben, nan jouen lèv la, mais je veux dire, c'est au cap dit, la mea carré sous sa gueule avec la police. Hein? C'est niveau hypocrisie ça, oui, qui la canou comme haïtien. C'est niveau hypocrisie ça, qui la canou comme haïtien. En pile là, nous, les jeunes, nous mettons campé la main. Nous, regardez, nous prenons la radio, nous faisons, nous même écrit à l'international pour nous dire que la mer a monté de façon illégale.